Bonjour tout le monde. On est dimanche, il fait beau. Ça fait du bien, hein, c'est pas le temps d'hier en tout cas. Donc je vais continuer aujourd'hui ce que j'ai pas fait hier. Mais cette semaine va être une semaine très très chargée. Il va vraiment falloir que j'avance un maximum parce que comme le temps il change, ce qui est normal, vu la saison c'est plus ça quand même, hein, c'est pas la chaleur. Donc, il faut vraiment que j'avance le plus rapidement possible. Bon, c'est pas simple hein, avec mon boulot, celui de mes enfants. Mais bon, on fera un maximum. Ouh, allez, let's go. Donc, pour aujourd'hui, c'est avancer un maximum dans le creusage de terre. Et puis nettoyer toute cette partie-là où il y a de la terre sur la route avec le Karcher. Parce que lundi, en rentrant du boulot, je commence à remettre des graviers partout ici, là. Avec le mortier, comme je vous ai expliqué l'autre fois. Mardi, pareil. On continue. Mercredi, comme la déchetterie est ouverte, on déblaye la terre. Mercredi tantôt. Après, je sais plus si je suis de journée ou de l'après-midi, donc ou du matin plutôt. Je verrai. Normalement, je suis du matin, mais bon. Et puis, on continue. Ce serait cool de finir cette semaine, mais faut pas trop rêver non plus. Allez, let's go. Voilà, je suis arrivée à la butte de terre. Bon, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est déblayer la terre plus par là. Pouvoir continuer. Au moins jusqu'à la baguette, là. Je ne sais pas si vous voyez. Si, on voit. Donc, voilà. Comme ça, j'aurai encore tout ça à déblayer. Ce serait cool. Je vais essayer de la mettre en plus en hauteur, la butte, comme ça je gagnerai un peu de place. Ah. Franchement, là c'est idéal. La terre elle est pas dure, elle est pas collante. Enfin, sauf à la pelle, bien sûr, mais ça c'est pas grave. C'est génial. Mais avant, petit café. Thank you.
Bon ben voilà, j'ai bien dégagé la partie là. Comme ça, j'aurais plus qu'à enlever la terre. Puis la mettre de l'autre côté. Et mercredi, si possible, tout ramener à la déchetterie. Oui. Ben en fait, je crois que je me suis pas rendu compte dans quoi je me lançais. Parce que mettre que du gravier, ça va pas tenir. Les voitures vont patiner. Va falloir que je mette quelque chose de plus costaud. J'en ai pour tout l'hiver, ça continue. Bonjour tout le monde. Ben, j'ai pas fait grand chose cette semaine. Enfin, en extérieur, bien sûr. J'ai fini ma déco d'Halloween, qui a tenu jusqu'à Halloween. Et puis, ben, elle a été balayée par la tempête. Je suis tombée malade. J'ai quand même été bosser. Les horaires de mes enfants étaient complètement impossibles. Donc, pratiquement toutes les heures, ils embauchaient. Donc, il fallait les emmener toutes les heures. Il y a quand même une fois où j'ai pu faire un tir groupé, comme on appelle ça, en nombre de deux. Il y en a un qui a attendu une heure. Ça va, il était à l'abri. Mais quand même, trois allers-retours en SNI, plus le mien, bien sûr, donc ça fait quatre pour aller travailler. C'est fatigant. Et surtout quand je suis de l'après-midi et qu'on doit se lever à 5 heures. Ben, et quand on est malade, ben, c'est pas top pour récupérer. Mais bon, ça y est, c'est fini. Jusque la semaine prochaine, bien sûr. Et là, je suis du matin. Mais il faut vraiment que je termine. Que je continue, plutôt, parce que je sais pas si je terminerai un jour. Enfin, si, je vais terminer un jour, mais quand? C'est ça le problème. Ouais, j'ai un peu déprimé aussi cette semaine, hein, parce que. J'ai l'impression que tout ce que je fais, bah, ça sert à rien, en fait. Je suis pas assez rapide, j'en sais rien. Pourtant, je fais ce que je peux. Hein. Mais bon. Bon, bah, aujourd'hui, ils annoncent encore une tempête. Et ben. On va faire qu'on peut, comme d'habitude. Bon voilà, on va aller faire un petit état des lieux. Alors j'ai mis un casque, parce que déjà c'est plus agréable de travailler en musique. Et surtout avec le vent, bah, ça protège les oreilles en même temps. J'ai pas envie de me choper en plus une petite. On ne plus que ça. Allez, on va aller voir comment ça se passe. Ah bah, vu ce qui arrive, à mon avis, je vais faire beaucoup de petites pauses. Hein. Bonjour mes tétos. Alors, ouais, je suis pas sûre de vraiment pouvoir continuer. Hein. Je pensais pas qu'il y avait autant d'eau. Hier soir, ça avait été un peu, ça avait un peu diminué, mais alors là, c'est une cata. Ah mais arrête, tu m'embêtes toi. Lui là. Hein? Oh câlin maman. Bon après le tas de terre n'est pas très conséquent, ça peut aller vite. Hein. Le problème c'est qu'il est trop trempé. Ça va coller, je vais pas pouvoir le déplacer. Hein. Ouais. Bon, bah. Un verdict, hein, ça va pas être pour aujourd'hui. Ouais. On va aller ranger les décos d'Halloween. Ce sera déjà ça. Bah, la bienvenue, mes mères. Bon, la toile, elle est un peu morflée, mais c'est pas grave. Par contre, toutes les tombes sont parties. Elles sont un peu éparpillées partout. Il y en a deux là-bas. Ah, il y a la sorcière là aussi, qui est cachée. Ouais, ça fait Halloween avec la main qui dépasse, c'est pas mal. Enfin bon.
mon petit squelette. Coup de temps pour enlever tout ça de l'arbre. Mais bon, il a bien résisté lui aussi. Mon fantôme est toujours là. Ça va. Bon, ça devrait pas être bien long. Bon, bah, j'y suis rentrée. Plus trop. Trop de vent. On va rester au chaud. On va ronger. Bah, je vous dis peut-être à demain, mais s'il fait le même temps, c'est pas sûr. Donc, passez un bon week-end. Bien au chaud. À l'abri. À bientôt.